kumchezea Bwana. Umesikia wimbo wamesema hapa? Ukimpata umepata kila kitu. Umepata uponyaji, umepata watoto, umepata pesa, umepata kazi. Thank you.
d'avant midi. Je suis vraiment dans la joie cet après-midi. Car l'Éternel nous donne encore l'opportunité de parler de sa part. Amen, amen. Amen. Imepita, la semaine passée, tumekuwa tukiongea kuhusu qualities. On parlait à propos de qualité. Of a true servant of God. De vrais serviteurs de Dieu. Amen, amen. Kwa nini naongea kuhusu mtumishi wa Mungu wa kweli? Pourquoi je parle d'un vrai serviteur de Dieu? Kwa sababu kuna pia watumishi wa Mungu wa uongo. Parce qu'il y a de faux serviteurs de Dieu. Amen, amen. Kuna watumishi wa uongo. Il y a de faux serviteurs. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. En tant que vrai serviteur de Dieu. Kama mtumishi mkweli wa Mungu. On doit avoir en toi des qualités. Lazima uwe na quality nzuri ndani yako. On doit te regarder et voir certaines qualités en dehors de toi et au-dedans de toi. Wakikuangalia lazima uone sifa nzuri nje na ndani yako. Mtumishi wa Mungu wa ukweli lazima akiwa amejaa na imani. Un vrai serviteur de Dieu doit avoir la foi. Na roho ya Bwana. Et l'esprit de Dieu. Na akiwa pia huyu mtu ako karibu kujitolea kwa kazi ya Mungu. Et que ses serviteurs soient prêts à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Kitu ingine. Autre chose. Lazima akiwa na mwito. Et quand tu as un appel. C'est qu'on appelle l'appel. Hiyo tunaitwa wito. Amen, amen. Ukiwa na mwito. Quand tu as un appel. Oui, bien aimé, l'appel. Mpendwa, wito. C'est quelque chose que notre Dieu utilise. Ni kitu ambacho Mungu anatumia. Pour nous faire participer. Ili tukapate kuparticiper. À l'œuvre. Katika kazi. De Jésus Christ. Ya Yesu Kristo. Celle qui est d'amener à lui. Iyo ambayo ya kumletea. D'amener à lui les gens qui doivent aller au ciel. Kumletea watu ambao wataenda mbinguni. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, l'appel. Mpendo wa wito. Notre Dieu peut utiliser plusieurs moyens pour nous appeler à son œuvre. Mungu anaweza kutumia njia tofauti kututumia katika kumtumikia. Il peut utiliser la vision. Anaweza kutumia maono. The same alitumia vision na Saul. Comme il avait utilisé chez Saul. Saul alikuwa anaenda Damas. Saul partait à Damas. Kazi yake ilikuwa ya kuua watu wa Mungu. Et son travail était de tuer. Akisikia kuna watu wa Mungu, kuna watu wanafanya kazi ya Mungu mahali. Et quand il savait qu'il y avait des serviteurs qui servaient Dieu. Lazima aenda huwa hao watu. Il devait partir et tuer ces gens. Sasa akiwa kwa njia. Et quand il était en route. Alianguka chini. Il était tombé. Na watu walikuwa na yeye. Et les gens qui étaient avec lui. Walikuwa nasikia tu sauti ikimwongelesha. Écoutez seulement une voix qui parlait avec lui. Na wao hawangeweza kuona huyu mtu alikuwa anaongelesha Saul. Et ils ne devaient pas voir la personne qui parlait avec Saul. Et l'Éternel peut utiliser aussi les songes. Et Mungu anaweza kutumia pia ndoto. C'est pour cela que vous trouverez quelqu'un qui dormait le matin, se réveille. Ndio maana unaweza kupata mtu alikuwa akilala asubuhi ameamka. Il commence à dire quand je dormais, l'Éternel m'a parlé. Anaweza kuzungumza nilikuwa nikilala Mungu ameniongelesha. Il m'a montré en train de prêcher, en train de chanter, après de faire ceci ou cela. Nimeona kwa ndoto nikiimba, nikihubiri, nikifanya kazi ya Mungu. L'Éternel peut utiliser aussi son serviteur. Mungu anaweza pia kutumia mtumishi wake. Pour t'appeler à son œuvre. Ili akuite katika kazi yake. De même qu'il avait fait avec Samuel. Kama vile aliyofanya na Samuel. Samuel alikuwa amelala. Samuel dormait. Sasa alikuwa anasikia tu sauti ikimuita. Et il écoutait seulement une voix qui l'appelait. Sasa hiyo sauti ikimuita alikuwa anaamuka anaenda kwa Elia. Et quand il s'est révélé, il partait chez Elie. Anamuuliza mtumishi umeniita? Et lui demandait, mon Seigneur, tu m'as appelé? Anamwambia hapana, sijakuita, rudi ulale. Non, je t'ai pas appelé, retourne. Mara ya pili. Deuxième fois. Anasikia tena sauti na mwita. Il écoute encore la voix. Anakimbia tena kwa mtumishi. Et il se précipite encore chez lui. Anamwambia umeniita? Et lui demande, tu m'as appelé? Mimi sijakuita. Non, je t'appelle pas. Rudi ulale. Retourne. Mara ya tatu. Troisième fois. Alienda tena. Il est reparti. Kamuliza, mtumishi umeniita? Il a demandé, ah, c'est le temps. Ah, sasa ndio Elia alikundua huyu mtoto
ni Mungu ndio anamuita. Et pour la troisième fois le serviteur a compris que c'est Dieu qui appelait. Sasa akamwambia ukisikia tena hiyo sauti. Et lui a dit si tu réécoutes ma voix, mimi ndio oui. Et dit Seigneur, je suis là. Amen, amen. Amen. Et même avec notre pasteur. L'Éternel peut utiliser le pasteur. Mungu anaweza kutumia mtumishi wake. Pour te donner des responsabilités à l'église. Kukupea majukumu kanisani. Il peut te donner le département. Anaweza kupea department. Tout le monde ne sont pas seulement appelés à chanter ou à prêcher. Si si on t'atukuita atukuita tuibe ama kuhubiri. L'Éternel peut nous appeler à différentes œuvres. Mungu anaweza kutuita kwa jukumu tofauti. Il y en a qui sont appelés seulement à donner à l'église. Kuna wale ambao waliitwa kutengeneza kanisa, kuosha kanisa. Alors bien aimé dans le Seigneur. Sasa mpendwa, tu dois découvrir la paix. Lazima ujue wito wako. Tu dois découvrir que tu es réellement appelé. Lazima ujue hiyo wito wako. À l'œuvre de Dieu. Kama umeitwa kwa mkazi ya Mungu. Après cela, na baada ya hiyo, tu dois chercher à connaître Dieu. Lazima utafute kujua Mungu. Parce que tu ne peux pas servir la personne que tu ne connais pas. Kwa sababu uweze kumtumikia mtu ambaye hukujui. C'est ce qui amène beaucoup de problèmes dans les églises. Hiyo kitu ndio inaleta vita nyingi katika kanisa. Mtu alikuwa amelala na Mungu, oh niliona Mungu alinionyesha nimekuwa apostle. Tu dors, tu te réveilles, oh Dieu, j'ai vu que Dieu m'a fait un apôtre, je suis un apôtre. Tu ne prends pas même le temps de connaître les dieux qui t'appellent. On te voit Facebook, on aanza kubadilisha majina. On te voit seulement sur Facebook, tu changes le nom. Bishop. Tu deviens bishop. Archbishop. Apostle. Apôtre. On abadilisha tout majina kwa Facebook. Tu changes seulement le nom sur Facebook. Est-ce que l'Éternel t'a appelé à prêcher? Ni ukweli Mungu amekuita kuhubiri. Amen, amen. Tu dois connaître celui qui t'a appelé. Lazima ujue yule ambaye alikuita. Et notre Dieu est dans sa parole. Na Mungu wetu yuko ndani ya neno lake. Comment ça fait-il qu'un serviteur de Dieu ni inawezekanaje mtumishi wa Mungu ne connaît pas la parole de Dieu? Hajui neno la Mungu. Unapewa department. Tu as un département. Na wewe hujui hata verse moja ya Bible. Tu connais même pas un verset de la Bible. Où est-ce que tu vas amener tous ces mondes qui sont sous ta charge? On a volé ta main. That's why. C'est pourquoi cette œuvre sera comme un fardeau pour toi. C'est pourquoi vous verrez dans des églises. Demain, on tourne à la tête. Responsabilité. Quelqu'un en responsabilité. Qui donc, comme on a volé tout un apôtre. Et brusquement, il sera ses mondes. Un apôtre tout. Amen, amen. Amen. Un apôtre. Parce que cette œuvre sera comme un fardeau pour lui. La sima ujua Mungu. Tu dois connaître Dieu. Amen, amen. Ujua Mungu na ujua kazi yenye Mungu amekuitia. Tu dois connaître Dieu et connaître aussi ton appel. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Mungu amekuita kufanya nini? Kwa sababu masaa zingine pasta anaweza kupewa kazi ya kuosha kanisa. Parce que d'autres fois, le pasteur peut te donner un travail. Non, tu viens de l'église. Mungu atakuonesha wewe kazi yako ni ya kwenda tu kutafuta watu wenye wamepotea. Et toi, tu verras que Dieu va te montrer que ton travail, c'est d'aller évangéliser. Et tu peux rentrer auprès du pasteur. Na unaweza rudi kwa pasta. Mtumishi, umenipea hiyo kazi. Pasteur, tu m'as donné. Mungu, wakati nilikuwa naomba. Mais quand je priais. Mungu ananionesha mimi. Dieu m'a montré un autre travail. Et lorsque tu vas faire ce travail, non, quand tu te fais la case, ça ne sera pas comme un fardeau sur toi. Hayata kuwa kama mzigo kwako. Tu seras à l'aise. Utakuwa uhuru. Amen, amen. Amen. Lorsque tu découvres ce à quoi l'Éternel t'a appelé, ukijua yale alifanya Mungu amekuita, tu seras à l'aise. Utakuwa uhuru. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Tafuta kujua mapenzi ya Mungu. Cherche à connaître la mission que l'Éternel a pour toi. Tafuta kujua mission ambayo Mungu ako nayo juu yako. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 9, ndio maana katika Matendo ya Mitume sura 9, au premier verset jusqu'à 19. Mstari wa kwanza hadi 19. On nous parle de l'histoire de Saül. Wanatuambia juu ya historia ya Saul. Lorsque l'Éternel a rencontré Saül, wakati Mungu alikutana na Sauli, Saül ne s'est pas directement lancé dans l'œuvre de Dieu. Sauli hakujitoa directly kwa kazi ya Mungu. Et directement, lorsque l'Éternel l'a rencontré, il ne pouvait pas voir.
Na wakati Mungu alimkutana hakuweza ona. Et il est resté en train de prier. Na alibaki katika maombi. Et pendant ce temps, na wakati huo, l'Éternel a parlé à Anania. Bwana aliongea na Anania. Il a dit, va prier pour un certain qui s'appelle Saül. Akamwambia wende muombe mtu ambaye anaitwa Sauli. Et Anania lui dit, oh Seigneur, je connais cette personne. Namjua huyo mtu. Il a l'habitude de tuer les chrétiens. Yeye ni muuaji na watumishi wa Mungu. Tu m'envoies aller prier pour lui. Sasa unanituma nimuombe. Qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Nini Mungu alimwambia? L'Éternel lui dit, Mungu alimwambia, va prier pour lui. Wende ukamwombe. Car je l'ai choisi. Kwa sababu nimemchagua. Ili apeleke jina langu kwa taifa zote. Amen, amen. Tu comprends que là l'Éternel a fait déjà une mission pour Saül. Unaelewa kwamba Mungu alikuwa na mission na Sauli. Et lorsque vous lisez dans la Bible, na ukisoma Biblia, beaucoup de gens que l'Éternel a appelé, watu wengi ambao Mungu ameita, ils avaient toujours une mission. Walikuwa na mission. Amen. Quelle est ta mission? Mission yako ni gani? Est-ce que tu connais à quoi est-ce que l'Éternel t'a appelé? Unajua mto wako ni gani? Amen, amen. Amen. Lorsqu'on ne connaît pas ce à quoi l'Éternel nous a appelé, kama hatujui mto wetu, c'est pour cela pour la plupart deviennent les serviteurs de Facebook et non les serviteurs de Dieu. Je comprends que tu n'as pas dit watumishi wa Facebook. On te voit toujours sur le Facebook. Tu n'as pas tout sur Facebook. TikTok. Parce que tu as une belle voix. Tu essayes un peu de chanter et puis tu lances. Est-ce que c'est ce que l'Éternel t'a appelé à faire? Amen, amen. Amen. Lorsqu'on découvre la volonté de Dieu, on reste à l'écoute du Seigneur. Parce que pendant le parcours, Mungu atakuwa na kuonyesha nini unafaa kufanya. Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Il va te montrer. Atakuonyesha. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons rester aussi dans la prière. Lazima tubaki katika maombi. Persévérer dans la prière. Tukae katika maombi. Comment un serviteur de Dieu qui ne prie pas? Ni aje mtumishi wa Mungu ambaye haombi. Oui, bien aimé. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement travailler à l'église. Même au travers de ton comportement, l'Éternel peut gagner des âmes. Vous savez ça? Même au travers juste de ton comportement, l'Éternel peut gagner des âmes. Les gens peuvent se demander, même là où tu restes, j'entends toujours cette maman ici prier. Un jour, l'un de tes voisins ou voisines viendra te demander, j'aimerais aussi connaître ce Dieu-là que tu pries tous les jours. J'aimerais connaître aussi ce Dieu-là que tu pries. Oui, bien aimé. Et lorsque l'Éternel t'appelle, ne cherche pas à te faire connaître aux gens. L'Éternel lui-même te fera connaître. Et toi, tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Je me rappelle, pour la première fois, lorsque j'ai prêché dans cette église, c'était un dimanche. Et ici à l'église, personne ne savait que je connais prêcher. Et je n'avais même pas parlé à personne que je connais prêcher. Même les pasteurs ne m'avaient jamais vu prêcher. Alors c'était un samedi et un vendredi soir. Le pasteur m'appelle. Il me dit, je ne serai pas là le dimanche, j'aimerais que tu prêches. Amen, amen. Amen. Mets-toi maintenant à ma place, si c'était toi. Qu'est-ce que tu allais faire? Oh papa, pas comme mimi. Seulement moi, il n'y a pas d'autres gens. Amen, amen. Qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui m'appelles. C'est toi qui m'appelles à aller prêcher. Et c'était dimanche lorsque j'ai prêché. Beaucoup de gens étaient étonnés. À tel point que Boniface me demande, ah, docteur, où
hizo vitu zote unakwama tu nazo ndani yako sasa unakuja unakaa tu pale hata alikuwa ananiongelesha kama mtu alikuwa amekasirika unaona hata bonia aliniuliza me demander ah tu savais tout ça tu savais prêcher mais tu restais avec ça depuis tout ce temps par là j'aimerais dire ceci lorsque Samuel a été appelé par le Seigneur il ne s'est pas lancé directement au travail il a attendu le moment jusqu'à ce que dans tout l'Israël tout le monde avait reconnu qu'il y a un prophète de Dieu Israël yote wakati ilijua kwamba kuna nabii wa Mungu. Eh, c'est ce que je voulais te dire, il faut attendre le temps de Dieu. Yeye ndio anataka kukuambia ngojea muda wa Bwana. Si tu as l'appel du Seigneur, kama kuna mwito wa Bwana, cherche à connaître celui qui t'a appelé. Tafuta kujua yule aliyekuita. Cherche à connaître sa volonté. Tafuta kujua mapenzi yake. Amen. Et reste en communion avec lui. Na ubaki na uhusiano na yeye. On peut nous lire faire de la paix. Kupitia wito. Notre Dieu veut nous faire participer. Mungu anataka tukapartisipe. À l'œuvre de rédemption. Kwa kazi. Du Seigneur Jésus Christ. Ya Yesu Kristo. Pour que nous puissions tous participer à cette œuvre. Ili tupate sisi wote kupata. Et chacun de nous. Avec une mission différente. Na kila mmoja wetu na mission tofauti. Oui, je vais ajouter le deuxième point après l'appel. Je vais ajouter l'obéissance. Nitaongeza kitu ya pili after mwito ambayo ni utiifu. L'obéissance bien aimé dans le Seigneur. Utiifu mpendwa. C'est soumettre notre volonté. Soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Lorsqu'on n'est pas obéissant, on n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Et vous verrez dans beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent obéir au pasteur qu'à l'Éternel. Cela veut dire, wakati pasteur yuko, quand le pasteur est présent, Mungu yuko. Dieu est présent. Wakati pasteur yuko, quand le pasteur n'est pas là, Dieu est absent. That's why you can't go to church. C'est pourquoi tu trouveras dans les églises. Quand le pasteur est là, tout le monde est en mouvement. Tout le monde travaille. Tout le monde se donne. Je pense que vous avez déjà fait ce constat. Lorsque le pasteur n'est pas là, vous verrez, tout le monde est toujours très sérieux, calme. Amen, amen. Ukiangalia vizuri wakati pasta yuko hapo utaona kila mtu ambaye anatamani. Kuna Sunday moja nilikuwa na hubiri. Je me rappelle il y a un dimanche je prêchais. Pasta kukua. Et le pasteur était absent. Sasa after church tulisema tu amen. Et après les filles on a vu le watu walikuwa na raka ya kutoka. Je vois comment les gens étaient pressés de. Hata kusalimiana hiku kwa. Même c'est salué et que ça. Mungu hiyo ni nini? J'ai demandé à Dieu, mais ça c'est quoi? Amen, amen. Amen. Ni le Dieu c'est ni nini? Je me suis demandé c'est quoi? Amen. Amen. Cela veut dire que nous devons travailler pour le Seigneur et non pour les pasteurs. Il n'a pas dit ça, dis-moi que tu m'étais mon pour tout. Travaillons pour le Seigneur. Obéissons le Seigneur. Tout si Mungu. Et non les pasteurs. Mais à pas n'a pas. Tu dois savoir ce que tu fais à l'église. Lazima ujue yale unafanya kanisani. Si le fait pour Dieu. Unayafanya kwa sababu ya Mungu. Discipline. Adam. La discipline, c'est quelque chose qui toi-même tu dois regarder comme ça, te dire que non, je ne dois pas faire ça. Je dois faire ça, ceci ou cela, je ne dois pas faire ça. Donc ça doit être à l'intérieur de toi. Adam ni kitu ambacho unaweza kufikiria unasema naweza kufanya hiki, siwezi kufanya. For example, wewe ni mwimbaji. Par exemple, tu es un chant. Siku yenye unaimba unavaa vizuri. Le jour que tu chantes, tu t'habilles bien. Amen, amen. Siku yenye unaimba unavaa vizuri. Siku yenye hautaimba. Le jour que tu chantes pas. Vile utavua. C'est la manière dont tu vas t'habiller. Vile utavua. La manière dont tu t'habilles. Kwa nini? Pourquoi? Hmm?
faut avoir la discipline. Ça, c'est la maison de Dieu. Et puis, il n'est pas dit que tu dois être discipliné seulement à l'église. Même en dehors de l'église. N'oublie pas. J'ai dit que c'est au travers de ton comportement, l'Éternel peut gagner les âmes. L'Éternel n'appelle pas seulement des gens qui sont bons, qui ont un bon caractère. Regardez l'exemple de Saül. Saül, c'était quelqu'un qui tuait. De même, l'Éternel peut convertir un ivrogne. Il y a la possibilité, voit seulement comme ça. Est-ce que je peux aussi être comme Rescos? Je peux être comme lui. Amen, amen. Je peux être comme lui. Il s'est dit, ah, je dois vraiment changer. Donc, il faut que je m'approche de lui. Que je lui demande quel est son secret. Et toi, tu n'as pas prêché à cette personne. Il s'en mêle de lui-même. Parce qu'il t'a vu. Décision et le courage. La décision et le courage. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Même si les choses ne marchent pas, nous nous devons toujours voir le bon côté des choses. Nous devons toujours voir le bon côté. Parce que celui qui est en nous. Même si celui qui est dans ce monde, même si les choses ne marchent pas à l'église, dans ce département, nous devons toujours encourager les autres. Aller plus loin. C'est ça le travail que nous devons faire. Pour ceux qui gèrent le département. Nous sommes appelés à encourager les autres. Ceux qui sont faibles. Ceux qui sont prêts à lâcher. Nous devons les encourager. Leur dire que ce que tu es en train de traverser là, l'Éternel voit. Il voit. Il donnera la solution à ton problème. Il changera ta situation. Quelle que soit ta maladie, l'Éternel va te guérir. Et parce que tu connais les passages bibliques, tu vas l'encourager avec les passages bibliques en lui disant, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que toutes les maladies ont été guéries. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, surtout les serviteurs de Dieu apprenons à écrire. Je voulais demander à notre pasteur que ça soit une condition. Pour tous les serviteurs, il doit avoir un cahier et un stylo chaque fois que tu t'amènes à l'église. Parce que vous imaginez, le pasteur a parlé plusieurs fois ici. Comment les autres vont suivre aussi longtemps que nous, serviteurs, nous ne le faisons pas. L'indiscipline. Le pasteur a parlé plusieurs fois. Donc, si nous ne le faisons pas, les autres ne vont pas suivre. Amen, amen. Les autres ne vont pas suivre. Nous devons écrire. Parce que quelque chose que j'ai compris en écrivant, pendant au moment où je suis en train d'écrire, tu verras que l'Éternel sera en train de t'inspirer d'autres choses. D'autres passages bibliques. En rapport avec ce qu'on est en train de prêcher. Et lorsque tu pars à la maison, tu vas te rappeler. Tu pourras même relire ces passages-là. Mais si tu n'écris pas, cela veut dire il y a un computer, il doit avoir un registre. Si tu n'écris pas, tu as une machine dans ta tête. Amen, amen. Tu n'as pas une machine dans la tête. Mais fais un constat. Dès que
tu sors seulement de cette porte, après les vies qu'on se salue, si on te demande les versets bibliques, tu ne vas pas donner. Attends, tu quittes encore pas ici, tu quittes ça limite, on met ça ça. Attends, quand tu coules, tu demandes à l'Éternel de nous soutenir. Tu t'as mis à mon côté, tu de nous accompagner. Attends, tu syndiques. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Quand ça va aussi, si vous voulez, nous allons tenir debout. Tu t'as si maman. Dans l'attitude de prière. Nous allons, je demande aux musiciens de nous accompagner dans un cantique pour. Et au moment où nous sommes en train de chanter, tu vas réaliser. Tu vas réaliser dans ta vie. Tu vas réaliser l'appel que tu as pour le Seigneur. Tu vas regarder ce que l'Éternel a placé en toi comme don. Tu vas demander à l'Éternel de te soutenir, de t'accompagner. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. I surrender. You don't know the clear direction to take. I want to pray with such a people. Kuja huku mbele. Come forward. Tuomba pamoja na wewe. Let us pray with you. And kuanzia leo vitu zitakuwa clear in your life. Starting from now, things will be clear in your life. The Lord will use you. The Lord will give you determination and courage. You will be a woman and a man of faith. And repeat this prayer after me before I pray for you. Now rejoice, maombi baada yangu mbele sijakuombea. Say, my God and my Father. Baba yangu na Mungu wangu. Thank you for speaking to me. Asante kwa kunizungumzia. Through the word of God. Kupitia kwa neno la Mungu. I have been saved. Nimeokolewa. Don't waste time in the church. Sikupoteza muda na makanisa. I have been saved. Nimeokolewa. For a divine purpose. Juu ya elekezo ya kiungu. For a divine mission. Kwa wito wa kiungu. As the Bible says. Kama Biblia inavyosema. Blessed be the Lord our God, who has raised for us a Redeemer to deliver us from our enemies, so that after being delivered, after being set free, we may live and walk with him in holiness, righteousness, and serve him without fear on the days of our life. Here I am, Lord. I surrender my life unto you. You can use anybody. You can use anything. You can use me. If you use a donkey, you can use me. I don't know which way to take. I want clear. I trust.